Ah, on est dans l'eau à côté Pourquoi du moi je requin. suis à Ah, moi je suis l'extérieur? juste sur le radeau, Ah, mais MDR. attends, mais moi je monte, comment je monte? Maintenir pour monter. C'est Ah, je comment tu panique. paniques? Laisse appuyer sur l'espace pour monter, laisse appuyer sur l'espace. Ah, Voilà. merci. Par contre, j'ai pas du tout de tuto moi là. Toi, t'as un tuto? Non. Parce que normalement, il y avait un tuto au début, mais du coup, en multi, peut-être qu'on l'a pas. Ouais, Donc, peut-être on que va ça. se débrouiller. Ah, mais t'as vu, il y a déjà une île juste là-bas qui a l'air assez conséquente, hein. Ah oui, celle-ci là. Oui. Vas-y, on y va. Direction. Non, mais non, on va rester à côté comme au début, attends. Attends doucement. Alors, tu te souviens un peu des touches, t'appuies sur F, ensuite tu fais clic gauche, ça te permet de voir tes stats. Du coup, au niveau des stats, on avait la santé, la faim, la soif et l'exposition au soleil. Ensuite, on a les stats, genre les compétences qui se montrent, genre chasse, cuisine et tout ça, qui vont être utiles hein, d'ailleurs pour des crafts, etc. Et ensuite, tu as ton état en bonne santé. Oui. Il me semblait, on n'avait pas une boussole. Non, la boussole, elle était à côté, elle est peut-être là-dedans. Bah, là-dedans, on a une boussole. Comment ça Oui, c'est marche vrai qu'on a un exactement? petit sac. Ok, donc là j'ai une boussole. Donc là-dedans, dans le sac, on est d'accord, tu vois deux trucs, mais tu vois plus la boussole. Voilà, exactement. Je vois un Donc ça va bandage et se des ratios. synchroniser. Le requin, il a. Ok. Ok. Bon, on va se remettre avec les settings, hein, de toute manière, au fur et à mesure. Du coup, tu veux pagayer? Vas-y, pagaye. Allez, vas-y, j'ai envie de tenter l'expérience. Où est la pagaie? Vas-y, tu nous ramènes proche de l'île, juste à côté de nous, hein, pour commencer. Alors attends, proche de l'île à côté de nous. Ouais, c'est ça, là, à droite, là. Ok, on y va. La plus proche. Du coup, cette île-là, c'est l'île de départ. C'est la seule que j'ai pas pu modifier. Donc, c'est la seule dans toute la map qui n'est pas modée. Ok. Toutes les autres îles, c'est que des îles custom. Ça va être stylé quand même de voir ce que les créateurs ont fait. Ouais, puis ça va changer en fait. Sinon, les îles se ressemblent un petit peu trop au bout d'un moment. J'ai juste peur pour les ressources. J'espère qu'on aura bien toutes les ressources présentes sur les différentes îles. Mais hormis ça, c'est pas de soucis. Il y Après, a oui, un ça, on pouvait crabe! s'appuyer. Oh! On pouvait s'appuyer clic droit pour. Ah, j'avoue que je peux te bouger comme Mais ouais! ça. On C'est s'appuyer drôle! clic droit pour ça. Bah, je vais remettre la boussole là-dedans au pire. Et alors, l'avantage avec la boussole et le côté cartographique qu'on a dans le menu, c'est qu'on peut savoir à peu près où on est du coup. On peut. Alors, comment on faisait pour. Ah, comme ça. Ok. On peut voilà, savoir où on se dirige et on peut savoir sur quelle île on est en fait si on suit en direct le truc. Ça, c'est Donc. pratique. Enfin, je me souviens plus trop comment ça marche, on va redécouvrir, on va essayer de survivre, on va ramasser des ressources. T'appuies sur C, voilà, t'appuies sur C pour les crafts, sachant que t'as. Ok, t'avais fabrication avec Ah oui. différents onglets, t'avais construction avec différents onglets, véhicules, culture, t'avais plein de trucs. C'est vrai que t'avais plein de trucs, il était Ouais. pas. Il y Alors en a des normalement, il y a choses. quand même toujours l'histoire hein, aussi de base sur la map. Je sais si on pourra le faire. Donc, on va peut-être commencer par le couteau. Donc, il faut faire un outil en pierre. Ah, par contre, j'avoue qu'être à deux, ça va être bien, mais d'un autre côté. Ouais, niveau Tu sais, niveau ressources, ça va être. ressources. Après, il y a beaucoup de zones qui apparemment sont plus grandes et peut-être plus fournies en ressources, mais il faut trouver les bonnes îles, quoi. Bon, Je bah me écoute, souviens ramasse plus. des cailloux. Ouais, c'est juste ramasser pour le moment des petits trucs. Alors moi j'ai ramassé une plante. On sait jamais. Ça peut être utile. Oh, attends. Ramasse des cailloux, fais-toi Je tes ramasse des outils. cailloux, t'inquiète. Comment on faisait la Hop. corde? Ah oui, il faut trouver des trucs C'est du osseux. tissu, non? Ah non, moi je confonds avec The Forest, là peut-être. Ouais, c'est de. Non, ouais, c'est ça, c'est des plantes, c'est ça là, regarde, je crois. Arbuste, palmier. C'est peut-être celle-là, là, Ah regarde. oui! Je crois qu'il fallait ramasser ça. Ah, il faut le cut. Je sais plus. Ouais, tu le cut. Et t'as un truc fibreux. Attends, mais ça aussi, peut-être qu'on pourrait le casser. J'ai fait un outil en pierre, je crois. Ouais, normalement tu l'as dans ton inventaire, ensuite tu laisses appuyer sur tab. Ah ouais. Tu me dis si t'as besoin de ressources, je ramasse plein de trucs. Oula, c'est gosse. Ça marche. Je crois qu'il faut pas marcher là-dessus. Marcher sur quoi? Je sais pas ça là. Attends, j'arrive. Ah oui, effectivement. Je pense pas que ce soit ouf d'aller là-dessus. Je pense que c'est toxique. Je pense que c'est pas bon. Ok. Ok, bah Oh, essaye de j'ai trouvé de récupérer la un max de tôle! ressources. De la De quoi? tôle! J'ai trouvé de la ferraille! Ah ouais. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Tout ce qui est ferraille. En fait, tout ce qu'on peut. Tu ramasses toutes les ressources de toute façon sur ta route. Ok, Prends tout. coucou! Je laisse fermer ça. Prends tout et même la tôle et tout ça. Je sais plus, tu pouvais la stocker dans ton inventaire? Ouais, là j'ai pu la ramasser. Ok. Donc ça, Bah, c'est cool. tout ça, on va tout ramener. On va le mettre proche du radeau déjà.
Genre ce sera notre bah notre point, on va dire, de regroupement. Ouais. Alors toi, tu t'es crafté quoi vite fait pour savoir? Alors pour le moment, juste l'outil en pierre et j'aimerais bien me faire un couteau perfectionné. Ok. Sachant que là, si j'utilise l'outil en pierre, là il est à 94%, je me dis que je vais peut-être utiliser l'outil et je pense que le fait de crafter, c'est par rapport à cet outil, donc on... Attends. C'est avec cet outil qu'on va faire un couteau perfectionné et je me dis que ça va peut-être remonter le pourcentage à 100% tu sais, de la dura. Tu Donc je me dis penses? que peut-être ce serait bien d'attendre avant de le crafter. Enfin, on va faire le test au pire pour vérifier. Ça permettrait d'économiser des ressources, tu sais, de... C'est vrai. Ça remonte la dura. Par contre, ce serait peut-être bien de se faire une lance. Et ouais, c'est vrai qu'on a des noix de coco ici, il y a des palmiers. Et il y a aussi un... Il y a des épaves de bateau à aller fouiller. Et si tu laisses appuyer sur C, c'est la construction rapide, c'est les petits trucs que tu peux faire rapidement, habituels, quoi. Ouais, la petite roue là. Ok. Après, il y avait quoi? Il y avait la hache, il y a une lance rudimentaire, il y a la lance de pêche. Je crois qu'on pouvait pêcher avec l'autre. Hein. Allez, on va se faire une lance rudimentaire. Oh, je peux faire. Moi, je peux déjà crafter le couteau perfectionné, mais bon. Je voulais me faire une petite hache. Bah, j'avoue que la hache, c'est pas bête aussi, ouais. Ah, mon perso, là, en mode, j'ai besoin de me rafraîchir. J'ai peut-être oublié ça. Ah, moi aussi. Bah, comment? Tu vas dans l'eau juste pour Ah, te. mais parce qu'il faut être niveau 1 pour crafter ça. Je peux même pas crafter la lance. Je n'ai plus que ça. Il faut être niveau 1 déjà pour ça. Ok. Chaud, bah il faut te mettre à l'ombre en fait, surtout. Enfin, oui, peut-être que d'aller dans l'eau ça peut marcher. Là, Je je vais suis essayer, dans mais l'eau, je. mais mon perso, il est en mode, je me sens pas bien. Ouais, non, parce qu'en fait, t'es au soleil, tu t'es en train de cramer. Et toi, Faut que t'ailles à t'es à l'ombre. l'ombre? Bah, moi j'ai chaud pour l'instant, mais je vais chercher de l'ombre. Et si Non. tu vas à l'ombre, regarde ta montre et tu vois que ça devrait remonter. Pour l'instant, moi c'est pas bon. Ah, coucou. C'est pas fou là. Bah, l'ombre, l'ombre. Puis ça nous descend l'eau, quoi, en même temps. Ah, ça y est, moi ça remonte. Alors attends, t'es où? T'es là, ok. Là, le soleil ça remonte un petit peu. Il y a l'exposition là. Du coup, bah, il va lui falloir monter. Ça doit être quoi alors? Chasse, cuisine. Ah oui, niveau 1, ok. Physique. Bah du coup, je vais faire un couteau perfectionné en attendant. Je sais pas, ouais, il faut passer niveau 1. Bah, le couteau perfectionné, c'est pareil. Ah non, Oh, c'est pas j'ai... niveau 1, ouais. Non, ouais, tu peux le craft. Ouais, peut-être que ça va permettre de monter le level à la limite. Ouais, j'avoue, allez. Attends, on va le faire, Oh, je vais niveau voir. supérieur artisanat, moi. Attention, reste pas à côté, j'ai peur qu'on se fasse des dégâts si je tape. Je vais regarder si ça remonte la dura du coup de le faire en après-coup. Je sais pas du tout si je peux Moi. casser ça. Hein. Si, je pense que tu peux le casser, si, si. Ah, c'est bon. Par contre, mon perso, ça ne remonte absolument pas. Ah, ça remonte ici. Ah, attends, où est-ce que je pourrais me mettre justement pour que ça remonte? Après, il y a À l'ombre. l'épave juste derrière, la petite épave sous l'eau là, mais c'est peut-être un mauvais bail. Ah mais là-bas, regarde, là-bas, il y a un port et tout. Ah Il y a oui! des trucs à côté déjà. Il y a des trucs de ouf! Attends, mais moi je vais canner là? Non mais reste là où je suis, Ouais, mais ça remonte. je suis restée, ça fait rien. Mais toi là où je suis, là à l'ombre de là, voilà, reste là. Et Ah attends, ouais, ça faut te remonte pas coller. instantanément. Si, si, non, mais là ça remonte, ok. Ok. Donc voilà, moi je voulais voir au niveau hop, de l'outil, je suis à 82% de solidité. On va essayer de crafter un couteau perfectionné. Et on passe à 100%. Donc ça, effectivement, ça va nous permettre de gagner des ressources si on crafte pas les trucs de suite, quoi. Ok. Ensuite, à ce niveau-là. Moi, j'ai pas passé le niveau en artisanat. Bah moi j'ai crafté du petit bois, une corde, le couteau perfectionné, je crois Ah mais ouais, que... maintenant le petit bois. Ah ouais, mais... Le petit bois... Attends, mais c'est à base de quoi? Bah c'est le bois Un truc de les... soin comme ça, c'est pour du petit bois. Ouais, mais c'est... Ah oui, non, mais ça te sert à quoi, là, pour Oh non l'instant? mince. Bah j'ai crafté juste ça comme ça pour si on faisait un feu. Parce que je crois que ça sert pour le feu. Ah ça On peut remonte, ça faire fait un petit en plaisir. plus, mais ouais, j'avoue que les crafts. Ce serait bien qu'il fasse nuit. J'avais oublié que notre ennemi c'était le soleil ici. Mais par contre, mon artisanat, toujours pas, hein. J'ai crafté plein de trucs.
super long. On recraft encore un truc. Allez, hein. C'est bon. C'est bon. Ouais, bah, je refais des outils en fait pour l'instant. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, on est niveau 1. Du coup, on peut faire. Bah, ça y est, on peut faire la hache. On peut faire la lance. Ça y est, je vais faire la lance du coup. Comment je vois ma roue déjà pour les crafts, pour tout ce que j'ai? Ah, C, tu laisses appuyer sur C. Ah non, bah je sais pas, tu veux ton inventaire ou ce que tu peux crafter? Ouais, mon inventaire, c'est ça. Bah tab alors. Ah merci, je m'embrouillais. Ok, bah écoute, ce qu'on peut faire. Dis-moi. En fait, plusieurs choses en vrai. Plusieurs choses, j'avoue que... En fait, faudra avoir plus de ficelles. Ouais. Faudra avoir plus de ficelles, voir si on en a assez ici ou pas. J'ai bien le tour de l'île, du coup on vérifie qu'on a bien récupéré toute la ficelle qu'on peut. Ok. En fait, ce serait bien de faire même une hache, déjà ici. Après le bois, je sais plus si on pourrait transporter, mais vu qu'on est deux, de pouvoir transporter plus facilement des trucs. Bah, je prends du bois. Vraiment, déjà. En fait, ce serait bien de tout ruiner sur cette île, je pense. Ouais. On prend tout ce qu'il y a en ressources. Et le rocher, ça on pourra pas. Et ensuite, comme ça, on se tire. Ok. Il y a des noix de coco, je les prends. Ah, récolte. Oui, les noix de coco, effectivement. Oui, c'est vrai qu'on est dans un jeu de survie, ce serait bien de se nourrir aussi. Éventuellement. Et, hein. Je crois que je peux cutter le palmier. Je suis pas sûr, mais je vais mettre 8 ans à peu près, mais. Non, mais fais une hache, hein. Ouais, je pense que ce sera mieux. La hache, il me manque bah, la corde juste. Hein. Ah bah ça y est, moi c'est je bon. Peux la faire justement. C'est bon, j'ai ma hache moi. Pourquoi il peut pas la ramasser mon perso, c'est un flemmard. Voilà, c'est bon. Je l'ai aussi. Et en vrai les palmiers on pouvait récupérer quand même ce qu'il y avait dedans. Attends, ça se casse non? Bah là, arbre palmier, j'ai l'impression que je peux le couper. Ouais, on peut quand même les casser. Mais sinon, tu sais, il y a les noix de coco, on peut les récupérer, je crois, autrement. Bah j'ai récupéré une noix de coco dessus. Ouais, on peut, regarde, oh on peut grimper sur les arbres. Non mais c'est incroyable, attends, comment tu grimpes? Regarde. Je vais s'appuyer sur espace quand t'es proche. T'es où? Tu me vois? Le petit singe. Je monte. En plus, vu comment on est habillé, tu sais, on n'a pas l'impression qu'il y a un mec qui va s'amuser à escalader, quoi. Ouais, pas du tout. Par contre, ah là-haut. Vas-y, récupère donc. Est-ce qu'on se fait à manger déjà ou pas? Parce que moi, la soif, je suis à 3 barres et 4 pour la nourriture. Ouais, ou alors on essaie d'aller direct sur une autre île, comme ça on le fait là-bas. Ouais, c'est une bonne idée. Ça évite, je sais pas, je sais plus trop ce qu'il faut faire, s'il faut faire des feux ou quoi, mais qu'on les fasse direct sur la nouvelle zone. T'as raison, ouais. Alors je refais le tour pour voir s'il n'y a pas de feuilles. Je vais pas monter sur les arbres. De mémoire. Sur l'une des premières îles, je me souviens qu'autour de nous, il y a une île qui était apparemment une île utopique pour s'installer. Ah ouais? Normalement. Ouais, mais ça, c'était une île qui était pas modée, du coup. Si, une île modée, là, que j'avais rajoutée. Je sais qu'il y en avait une, j'avais fait exprès de mettre autour une île qui apparemment était intéressante. Attends, je suis en train de me dire quelque chose. Il va faire nuit noire, on va rien voir, là. Une torche? Ouais, mais ça va être galère dans le radeau, je pense. Bah en vrai, moi il me faut juste la boussole, normalement ça va être. Mais le nord c'est pareil, c'est par rapport à la map, il était pas en face en face. Attends, retour au radeau. Ok. En vrai le bois au pire on pourra le farmer là-bas je pense directement, ou alors on se coupe un arbre pour vérifier. Oh mais, c'est toi. Faut que je m'habitue à la coop. Parce que le bois, attends, juste en couper un pour vérifier ce qu'on avait sur les palmiers exactement, sur les arbres. Vas-y. Je sais plus exactement sous quelle forme on récupérait, tu sais, on avait du bois, mais est-ce qu'on avait autre chose? Ok. Ouais, on avait les bûches de bois, on retape. Ouais, mais je me suis fait une torche, mais de toute façon, faut l'allumer quand même. Ouais, allume-la. Ok, c'est la bûche directement, donc là, je l'ai dans l'inventaire. Ok. Bah, écoute, on va faire le plein avec ça et on va partir. Let's go, hein. Alors, attends. Je vais ranger dans l'inventaire du radeau des trucs. De là où on est, je pense qu'il faudra aller ouest-sud-ouest, je pense. Tu peux récupérer... Attends, j'arrive. Dis-moi. En fait, je cherche comment mettre dans le stockage du bateau, tu sais, genre les noix de coco, les trucs comme ça, parce que là, je suis full. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de place dans le stockage du bateau. Ah, c'est qu'il n'y a plus de stockage. Il n'y a plus de place, ok. Je pensais que tu pouvais quand même mettre autour.
Il y a que 3 places, hein. Il y avait déjà tout dedans, je crois. D'accord. Non, mais on va balancer les trucs les moins utiles. Hein. Par contre, ok. Bah, la ferraille, je la garde, ça peut toujours servir. Comment on dropait? On pouvait récupérer et balancer. On pouvait drop directement, je crois. Bah, moi, ouais, j'ai la touche pour drop, mais je l'ai mappé. Du coup, c'est 2 pour moi, mais. Non, mais. Ah. Genre, quand t'es dans tab, tu peux drop directement ou tu mets le truc dans la main et ensuite tu drop? Ah non, je mets le truc dans la main et ensuite je drop. Voilà, donc ça, moi aussi je sais faire, mais je crois qu'il y avait une touche pour drop directement. Je sais pas. Je sais plus ce que c'était. Tu voulais que je récupère des trucs? Je voulais prendre les feuilles de palmier, mais. Mais tu sais quoi, on les met dans le bateau, hein. On les pose dans le bateau. Non, 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 ça va pas tenir. Bah. Moi je pense que si. Bon, en vrai, les feuilles de palmier, allez, c'est pas primordial. Ouais. Par contre, allez, le tissu ça, là. Bah, prends ce que tu peux, prends ce que tu peux quand même. Ah oui, là, le tissu, bah le tissu, faudrait que tu le prennes dans ton inventaire même. Attends. J'ai plus de place, ça le truc. T'as de la place toi? Écoute, il fait le voyage avec nous, on verra oui, si oui ou non il tient. Non, non mais le tissu en vrai, c'est quand même important, je pense. Hein. Alors attends, je vais drop. Bah, attends, au pire, je drop mes pierres et je prends ça, je sais pas. J'ai peur qu'on ait besoin de la pierre plus tard. Bah attends, sinon, je suis bête, j'ai des bâtons de bois. Ça, on s'en fiche, on en trouvera des bâtons de bois. Attends. Je drop les bâtons de bois. Voilà. Mais attends, normalement, je peux le prendre, je pense. Là. C'est bon ? Ouais, ça m'a l'air d'être bon, hein. Non mais, c'est horrible. Quoi ? Pas de place, là, j'ai un slot, pourtant, dans mon inventaire. Non ? Moi, c'est bon, j'ai de la place. Enfin, j'ai mis dedans, c'est bon. Enfin, bah tiens, prends mon petit bois, ça se trouve, il tiens. Se stack avec le tien. Ouais, attends, je l'ai dans la main. Prendre, je, voir voilà, si... je peux prendre la boussole. Pourtant, il y a un slot de disponible. Hein, il pour se moi, stack pas par petit bois et petit bois ne se mettent pas ensemble. Hein. Ah, okay. Il se stack pas. C'est pas grave. On verra. Donc, du coup, normalement, déjà, il n'y a pas d'île derrière qui va être trop visible. Là, il y a cette île là, il bon. Y a l'autre là devant. J'ai rien dit, se mettre ensemble. C'est bon. Ok, nice. Bon alors tu veux qu'on aille où, dis-moi tout. Oh les îles de fou par contre. Ouais elle a l'air vraiment badass. Attention chauve-souris. Au secours. La vache. Ouais bah en vrai je pense qu'entre la boussole et les placements, je pense que ce serait intéressant d'aller tester cette île là. Déjà dans un premier temps celle qui est en face là, la plus proche. Ouais ok. En ouest, ouest-sud-ouest. Hein. Ok bah on y va. Vas-y on va mettre le radeau à l'eau. Ouais. Ah on a oublié un truc. Quoi? Les épaves, on n'a pas fouillé les épaves. Bah attends, il fait nuit noire, c'est pas une bêtise ça? Bah justement, on peut trouver des torches dans les épaves. Hein. Mais moi j'en ai crafté une. Mais le truc c'est que de toute façon il faut quand même l'allumer, donc faut qu'on fasse un feu. Justement, on peut avoir des lampes de poche. Oh! Bon, on y va. On peut avoir des lampes de poche, mais ouais, mais du coup, qu'est-ce que je lâche? Je lâche le bois au pire. Ah, mais le petit bois, je sais plus sous quelle forme on l'aura. Je vais quand même garder des ressources de base. Moi j'ai un slot de libre. On va mettre ça par là. Contre je suis à 2 en... Un peu moins de 2 en boisson. Au cas où, je sais pas toi. On va remettre la boussole là-dedans. Bon, j'ai un peu de dispo. La boisson, je suis à 2,5. Ok. Mais la boisson... Ah ouais, j'avoue, il va falloir... Parce que je sais plus, c'est pas genre tu meurs instant dès que t'as pu... Ah, je crois pas. Go prendre le radeau à gauche, enfin le truc sous l'eau à gauche, toi. Et moi je prends celui en face là, cette épave, comme ça on fait vite. À gauche. Ouais, tu vois qu'il y a un truc, il y a un mât qui dépasse de l'eau. Ça veut dire qu'il y a un truc sous l'eau. Oh là là, c'est pas. Mais toute seule comme une grande. Parce que là je suis en chemin, hein, mais. J'avais presque oublié que t'avais peur de. Non, non, mais moi c'est vrai. C'est un tout petit problème en fait. J'ai juste peur de l'eau et des requins, mais c'est pas trop dérangeant. Mais c'est pas méchant. Pour un jeu comme ça, c'est ok. Bon, moi j'ai une lampe j'ai peur. Déjà. Moi j'ai une lampe et en plus de ça, j'ai trouvé un coffre donc on pourra mettre des trucs dedans. Même s'il y a déjà des choses dedans, donc, comme ça. C'est un premier loot intéressant. Non, j'ai peur, je peux pas. J'arrive, j'ai une lampe. Ouais, ça va aider. J'arrive, j'ai une lampe. Je le démonte, il arrive. Ah non mais pas pour le requin. Non mais alors juste une info comme ça, quand tu es dans une épave tu risques rien contre le requin, il va pas venir. Ah dans l'épave t'es protégé moi, ok, je suis en route. Il faut que tu viennes avec moi, de toute façon il faut que tu lootes. Ok. Ouais tu vas venir avec moi, je vais t'éclairer, tu vas prendre un coffre ici.
C'est le bateau, c'est l'épave sur laquelle t'étais. Ouais, ok. Là, ouais, ouais, regarde, j'ai là, là, tu le... ça t'éclaire bien ou pas avec ma... Moi, je vois aucune lumière là qui sort de la. Très bien, parfait. Ça t'éclaire en plus, bien. C'est limité là. Apparemment. Eh bien. Là, je t'éclaire pas du tout. Non. Vraiment, il fait tout. Il fait. Attends, je panique. Non, mais je peux pas switcher, mais j'ai plus. T'en fais voir. Ouais, il fait. Ah, ça y est, là, ça fait. Là, ça fait de la lumière dans l'eau. Ok, bien, bien, bien. Là, tu prends ce coffre. T'appuies sur E là-dessus pour le récupérer juste. Attends, en gros, ces coffres-là, c'est trop chiant, mais ça me fait un vieux bruit comme quoi je peux pas le récupérer alors que j'appuie pas pour. Ok. Récupérer. C'est un peu bugué. Ok, j'ai le coffre. Voilà, donc ça en fait, si t'appuies sur E, ça le récupère dans ton inventaire. Ouais. Si t'appuies sur Tab, ça te permet de looter ce qu'il y a à l'intérieur. Attends, comment tu sors de là? Ah, c'est bon. Comme ça, c'est juste qu'on était un peu coincé. Alors attends, je l'ai là. T'as encore de la place ou pas? C'était mon seul slot. Hein. Ok. Ah non, il y a pas assez de place dans l'inventaire, je peux même pas être à main nue, tu vois. Donc attends, je vais regarder ce qu'il y a dedans. Ouais, je vois le délire. Sinon, bah écoute, on le drop dans le bateau. Je vais juste les mettre là, par terre, pour le moment. Ouais. Il y a pas une deuxième torche là-dedans? Ce serait bien. Et justement, regarde dans les. Non, là, il y a à manger, fusée de détresse. Mais là, il y a une place, non, dans celui-là? Ah, je sais pas. Je dirais qu'il y a 4 slots, ouais, mais il y a deux fois un truc, donc je sais pas. Tape pour ouvrir. Si tu peux pas mettre un truc là-dedans. Je vais aller fouiller l'autre épave, vite fait. Ok. Je regarde juste s'il y a des trucs importants. Ah, mais attends, mais. Mais attends! La boîte de conserve, n'empêche, on peut se permettre d'en prendre une pour l'eau. Une boîte de conserve de nourriture d'urgence et de ration d'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense pas que ce soit voir de commencer par ça. Hein. Parce que là, il me reste plus qu'une barre. Bah, regarde ce que tu peux faire pour l'eau. Je sais plus ce qu'il fallait faire pour l'eau. Attends, je regarde, j'ai une coco. Peut-être que la coco, je peux faire un truc. Ah oui, bah oui, mais t'as les cocos. Mais oui, je suis bête. Parce que les rations, pour moi, c'est des trucs qu'il faut garder. Ok. Oui, bah oui, j'avoue, les cocos au début, c'est très bien pour l'eau, fait avec ça. C'est que je vais me noyer, moi. Bah non, fais pas le fou, hein. Oh, tu vas être toute seule pour cette aventure. Mais y'a pas une histoire, par contre, le requin, si il doit dormir, là, de toute façon. Ah ouais? Oui, tu disais. Y'a pas une histoire où si tu manges trop de coco ou quoi, tu vomis? Et t'es malade après? Pourquoi t'as fait? Et tu parles plus? Empoisonné. Mais non. Par quoi? J'ai vu un poisson avec des pics passer juste quand je l'ai vu, j'ai pas eu le temps de l'esquiver, je suis passé en plein dessus, je l'ai vu en plus que j'ai eu passer dessus. Oh non. Du coup, je suis empoisonné dès le début de l'aventure, ça c'est très mauvais bail. Bah alors moi panique pas hein, mais j'ai mangé du coup une coco et j'ai bu une coco et là mon perso fait je me sens pas très bien. Ouais mais ça je pense en vrai ça va encore, mais par contre moi le poison que j'ai je sais pas du tout ce que ça va donner. Il va falloir. Empoisonnement, j'ai mon bras qui est empoisonné. Oh non. De toute façon la vie descend pas trop. L'empoisonnement il faut une plante spéciale je crois. Alors, faut qu'on aille sur l'autre île. Mais je sais pas si c'était pour ça ou pas. La plante violette. Ah mais il y a une plante violette. Bah aussi. Elle ouais c'est écrit Ah mais moi parle... j'ai une autre plante, ça sert à fabriquer des antidotes ce que j'ai. Je pense que c'est bon ce que j'ai, attends. Attends mais dans les crafts a... si tu fais C ouais, y a pas un truc. Consommable. Antidote. Donc c'est bien ça pour antidote, ok. Mais niveau 3 quoi. Ah oui. Aide à l'apnée. Ta plante c'est pour l'aide à l'apnée. Ouais c'est ça, voilà. Du coup, moi l'antidote c'est niveau 3 et il faut une gourde en noix de coco. Bon, ça à la limite. Hein. Ah oui, la gourde, du coup, on va pouvoir remplir et. Ok, on va pouvoir se mettre bien. Bon, le problème. Le problème est que je suis empoisonné et que j'ai rien pour me soigner. Et là, t'as quoi qui baisse? L'instant, rien. Allez, on va se remettre à l'eau, on va essayer de partir. Juste le coffre. Ouais, il y a le coffre. Comment on fait pour les coffres? Il y a tous les coffres à récup. Mais attends, y en a un, on a qu'à tout mettre dans un coffre et il y en a un qui tient le coffre. Il y en a un qui pagaie, l'autre tient le coffre. Mais on peut pas tout mettre dans un coffre. Les coffres, ils ont des places limitées. Hein. Bah on va faire un choix. Ferraille, planche. Attends, on peut mettre combien de choses dans un coffre? Je sais pas. On peut mettre des trucs hein, quand même. En vrai, on peut mettre des trucs. Hein. Genre, on peut vraiment les blinder quand même en fait. Attends. Ça va le faire, ça va le faire. Ouais. Ok. Ouais, franchement, ça va le faire. On peut mettre 5 slots dans un coffre. Attends, j'ai l'impression que ce coffre aussi, je peux pas le. Non. Ok, donc. Faut voir ce qu'on garde. Filtre de véhicule, ça sert ça? Plus
tard, ça servira. Après, normalement, on en loot pas mal, mais vu qu'on a que des trucs custom, je suis pas très sûr. Attends, parce que celui-là, je l'ai rempli. Celui-là, je l'ai rempli aussi. Celui-là, on peut le remplir, là, celui-ci. Mais c'est bon, en fait. Ah, on va être bon, hein. Hop, ça part dedans et puis c'est bon. J'emmène ça à l'eau. Attends, le tissu. Oh là là, attention. Attends, mais lui, je peux pas le mettre. J'ai pas de slot de dispo pour le mettre dedans. Je peux le mettre dans le coffre ou pas? Il a plus de place. 1, 2, 3, 4, 5, non. Mince. Qu'est-ce que je peux jeter? Au pire, je vais jeter des cailloux, allez, donne. Donne le tissu. Ouais, vas-y, tiens. Vas-y, go dans l'eau. Let's go. Là, il faut vraiment qu'on y aille, parce que j'ai pas encore. Je vais manger là-bas donc. Franchement, on est pas mal pour un départ, je pense. Bah, pour un start, c'est plutôt un pas petit mal. Empoisonnement hein. Qui est pas foufou quoi, mais à part ça, on est pas mal. Bah, c'est léger, vas-y, je pagaie. Vas-y. Hop. Tu me dis où c'est, je sais plus. C'est à droite, hein, je crois. Cette île là en face, ouais, à ta droite. Attends. Enfin, ça dépend comment t'es positionné. Oula, non, ouais, bah non, me... derrière. Oui, du coup, j'essaye de recomprendre comment ça fonctionne. Vas-y, okay. Go. Attends, je vais tout droit et puis après je tourne. Oh là, je vois, il y a de la lumière. Oh, c'est agréable là. Voilà. Bah voilà, mais ça c'est. Mais là c'est sublime. Hein. Ah ouais. Donc là c'est tout droit. C'est ici. Ouais, c'est l'île en face, je pense. Okay. Enfin, de toute façon, on va aller à l'île en face et on verra. C'est si agréable. Refais de la lumière pour voir. Bah, y'en a, hein. C'est très bizarre parce qu'il n'y a vraiment aucun faisceau lumineux qui sort par contre de ta lampe. Rien. Ouais, bon après. Ils viennent de mettre le online, hein. C'est bien que ça fonctionne. C'est trop bien. Pour l'instant, ça a l'air ok en plus. Moi qui disais que ce jeu manquait d'un online, justement. Ah bah, tout le monde, hein. De toute façon, ils avaient mis un coop, mais c'était un coop splitté, pas terrible. Ouais. Ça avait rien à voir. Ah non, là, c'est trop agréable. Bon, moi je suis en train de me dire comment je vais faire pour passer le niveau 3 c'était. Ouais. Il va falloir faire de Masscraft. Mais sinon, attends, si on fait une base, on craft, est-ce que ça monte les crafts du coup quand même Ah bah sûrement oui. Bah on va faire ça, je pense. C'est là on va crafter genre en sol ou un truc comme ça. Ouais, l'artisanat ça doit être le dernier du coup j'imagine. Donc je suis à 1,5 quoi, un peu plus, mais il faut arriver à 3. Et empoisonnement entre temps, bah va falloir vraiment se faire une base et pouvoir sauvegarder là-bas en fait. Hein. Avoir notre petit abri. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de sauvegarde auto dans le jeu. Là on a rien, c'est ça qui me fait peur en fait. Là. Ah putain, on a rien. Là si je meurs, c'est compliqué. Ça se passe très mal hein, là si tu meurs. Ok. T'inquiète, ça va aller. Alors, je te dis ça va aller, mais j'ai des sacrés rollbacks là. C'est peut-être le chargement des îles ou je sais pas. Ouais, c'est bon, il n'y a plus rien. Ok. Mais en fait, il n'y a pas du tout de maison à droite. Tu sais, je pensais que c'était des maisons à droite. En ferraille si, et... Ah, il y a si. Un genre de fort en ferraille à l'entrée là-bas à droite. Ah, c'est stylé. Et là-bas, c'est une immense... Il y a beaucoup d'îles qui sont bien plus grandes que les îles de base, hein, par contre, dans ce qui a été rajouté. C'est pas mal. Et là, on arrive sur une épave directement. On va aller directement sur le bout de l'île. C'est un crabe à gauche, le gros truc. Ouais, un crabe qui est assez solide, qui va nous attaquer. Donc va à droite plutôt. On va essayer d'aller sur le bout de l'île où il y aura peut-être moins de trucs. Oh. Ouais, il y a une plante, on va sur une épave. Mais il y a un feu en plus, on dirait, non, le sol, je sais pas. Attends, je vais vraiment au bout du bout parce qu'il est solide l'autre. Hein. Ouais, c'est les gros crabes ça. La musique elle a changé, elle est devenue vachement angoissante. C'est pas bon pas ça hein. Pas de musique. Oh, y a un truc sous l'eau. Y a un requin, je sais pas quoi. Attends, je fais quoi, je vais là. En bout. Vas-y. Il y a un requin sous l'eau. Ouais, je l'ai vu. Il a un grand nez. Ouais, on va rester là. Alors attends, je ramène le bateau parce que sinon... Ouais, mets-le dessus. Il y a rien qui va nous attaquer là. Non, très bien. Moi, je me fais vite fait de quoi manger avec ma noix de coco. Comment ça marche? Attends, je vais balancer tous les coffres. Oh, la soif, ouais, c'est la cata là. Je mets tous les coffres là déjà. Oh. Comment c'était? Il fallait taper dessus sur les noix de coco, c'est ça? Ouais, il faut taper dessus. Après, tu peux la boire et après, quand tu la recasses en deux, là, tu peux manger. Bah, je vais me faire aussi. Pas mal, mais c'est pas non plus exceptionnel. Ah, c'est pas foufou, hein. Et puis si t'en prends trop, t'es malade. Ouais, je sais bien. Y'a pas trop de choix là. Après, je vais faire une gourde, hein, je pense aussi.
Ouais, ça peut être pas mal. La gourde, attention, faut pas casser ta noix de coco. Hein. Oh merci. Le problème, c'est que pour la gourde. Je vais d'abord boire. Je peux en boire deux autres et je m'en garde une pour la gourde. Ah, mais oui, non, il faudrait que j'ai deux gourdes en fait, puisqu'il y en a une que je vais transformer en antidote apparemment. Donc, ouais, je peux en boire qu'une seule autre. Non, mais il y en a encore, de, je pense, des cocos ici, non? Ah, ouais, non, mais c'est pour ça, on va en trouver d'autres. Mais là, déjà, ouais. Moi, je me réserve celle que j'ai, au cas où. Ok. Alors, je sais pas, par contre, où c'est que tu vois le craft pour la coco Et là, il faut aller dans consommable. Ah, consommable. Merci. Ah, il fallait que je laisse à son état naturel. Il fallait pas que je lui enlève au moins la. Ah non, je t'ai dit, il te la faut. Ah oui, vraiment nature, nature. Faut pas... Ouais, mais faut pas la toucher. Ah oui, je. Bon, tu sais quoi, alors. Mais de toute façon, oui, on va en retrouver. S'il y a des palmiers, là, il y en a, donc il doit y avoir des cocos. Juste. Tac. Bah, niveau craft. Niveau craft, au niveau de la construction. Non, ce sera pas forcément la construction, ça va être fabrication. Ah voilà. On aura l'abri. Ce serait bien de faire un feu assez rapidement. Ouais. On a ramené du bois normalement. Alors comment on fait? Le feu, c'est 4 de bois. Faut regarder les. Ouais, je regarde les caisses. Ok, j'en ai 3 de bois là-dedans. Ok, là j'ai le quatrième. Vas-y, fais un feu. On va faire un fais feu. Fais donc un feu. Rapidement. Voilà. Comment on l'allume après? Je vais améliorer notre feu directement en feu de camp. Oh. Pour qu'il tienne. Hop, voilà, c'est amélioré. Et comment on allume? Ouais. Comment ça marchait pour allumer dans ce jeu déjà? On n'a pas un briquet? Ah bah non, hein, pas que je sache. Attends, hein. attends, c'est pas avec le petit bois. Ouais, il y a un truc. C'est vrai qu'il y avait des ceintures d'outils, ça c'était juste pour mettre des slots, je crois. C'est pratique. C'est bon, j'ai... Attends, non, je sais pas. Ah ouais? Oui, c'est bon. En fait, tu sais les petits bois que t'as sur toi, là, avec la corde autour. Et ben là, j'en ai pris un dans mes mains, et j'ai cliqué sur allumer. Ah d'accord. Alors attends. Ok, bah, vas-y alors. Et bah attends, je sais pas comment on fait. Ah, clic droit, clic gauche. Tu spams les deux clics, ouais. Bah, tiens, j'en ai un autre si tu veux après tester. Ouais, ouais, t'inquiète. On aura l'occasion de toute façon. J'en ai combien en fait? Ah, j'en ai deux. Et donc là. Déjà, ça va faire du bien. Là, ce qu'il faudrait dans l'immédiat, c'est vite fait que je trouve. Hop. C'est vite fait que je trouve de la ficelle en plus. Là, il y a encore des coucous en vrai ici. Hein. Tu pourras t'en prendre dessus. Ok. J'ai peur de tomber sur l'autre qui est hyper solide. Bah, on peut le tuer. Oula. Attends, j'ai entendu un bruit, il y a un serpent. Oh, ouais, j'avais oublié que dans le jeu il y avait des serpents. Je le vois. Il va faire jour. Attends un peu, il va faire jour au cas où. Oh mince. Je lance ma lance sur le serpent, mais à côté. Mais c'est dur de lancer les piles dessus. J'avais complètement zappé qu'il y en avait. Hein. Et les serpents, je crois que ça te bousille ton expérience là, c'est un. Est-ce qu'on ferait pas un abri tout de suite, un petit abri? Ouais, ouais, ce serait pas mal d'en faire un vite, ouais. Il y a un serpent juste à côté de moi! Attention derrière toi! Mais je le vois! Ah non! Ah mais attends, c'était pas un serpent sur qui je tirais peut-être? Bon bah il est plus hein! Ouais, est-ce qu'il a pris? Oula, il bouge encore? Ouais, c'est bon. Non, c'est bon. Vas-y, je vais le dépecer. Attends, mais c'est quoi que j'ai vu là-bas alors? Bah c'est un serpent? Je tirais sur quoi? C'était peut-être un serpent aussi, hein. Ah non, non, non. Ah non, mais c'était les effets avec le... Ça faisait un genre de petit caillou, j'ai cru que c'était un serpent. Ah, t'as cru... Comme je l'entendais, j'ai cru voir un truc avec la nuit et tout. J'étais en mode, moi, ça doit être ça, mais pas du tout. Et toi, tu viens, le serpent, il était à côté de moi. Et moi, je tirais à côté de lui, pas du tout sur lui. En mode, oh, je l'ai pas touché. Oh, ah, là. Mais oui, c'est ça, j'étais en mode, mais c'est bizarre, il meurt pas, quand même. Oh là là. Quel débile. Alors... attends, pour le... Du coup, il nous faudrait une corde, 3 bâtons... Et feuilles de palmier 4 pour l'abri. Comme ça on peut au moins sauvegarder déjà. Ah, il y a l'alloué. Oh, mais il est énorme l'autre à côté, fais gaffe, il te court après. Ouais, il arrive. Tu veux que. Attends, tu veux qu'on le démonte? Vas-y, vas-y. C'est long à tuer de mémoire. Hein. Il m'a fait grave mal. Ah oui, non mais. Il genre, fait cours, mal. Il va te désaggro. Cours, il va te désaggro juste il parce que. Il me fait peur en plus. Ah, mais les tuer, je crois que c'est long et je pense que c'est pas worth de le faire maintenant. Moi, je voulais juste passer pour récupérer, il y avait des fibres. Pour ça, je suis ici bien là où on s'est mis parce qu'on s'est mis vraiment en extrémité.
Il me fait peur, Krabi, là. Oh non, il y a un sanglier aussi. Ouais, bah moi j'ai vu bébé sanglier, justement, là où j'allais. Donc je m'en vais. J'entends un serpent. Je pense qu'ils aggroient encore. Ouais, j'en entends un. Bah, le plus dur, c'est de le voir, hein, parce qu'après, pour le tuer, ça va, j'ai vu la lance. Ok, t'es là. Sa lance et c'est ok. Hein. J'entends encore un autre serpent. J'ai peur de me. C'est vrai? Attends, ouais. Je suis là, mais. Oh, y'a! Y'a la daronne! Oh là là, oh là là, oh, oh putain, y'a toute la. Attends, attends. Ne sois non, pas des. Va dans l'eau. Ouais, ouais, je vais dans l'eau, je vais dans l'eau. Un peu pas trop, parce que non, tu vas taper le requin. Va sur ta gauche. Viens, viens, viens. Ouais. Non, ton autre gauche, ton autre gauche. Ah, pardon, pardon, je la confonds, c'est vrai ça aussi, ça c'est un souci. Ça dépend où tu regardais, mais je suis parti du principe que tu venais d'aller dans l'eau. Ok, viens. Reviens vers. Vers où on s'est mis. Là, c'est à peu près safe. Oh, t'as vu ce qu'il y a là? Il y a un genre, j'avais même pas capté, ça fait un genre de grotte. Ah non, j'ai pas vu. Attends, j'arrive. Ah, c'est style de ouf. Ah, bah en fait. Pour s'installer même et tout, genre. Oh non, mais attends, viens, on se met là. C'est un truc idyllique en fait. Alors, on fait quoi? Est-ce qu'on met la vieille cabane toute pérave, l'abri, on le met à l'extérieur et là, on fera un. Pour l'instant, on va rester en bout ici parce que c'est safe, on a le radeau à côté, c'est pour jouer et tout. Pour sécuriser, ce sera le premier petit avant-poste, je pense. Oh, et tu sais que j'ai peur de tomber net là, j'ai soif, un truc de ouf. Alors le feu, on pouvait le réalimenter de mémoire, tu vois qu'il y a une jauge autour du feu là quand tu le regardes. Ouais. T'as juste à mettre du bois, ça évite d'avoir à le rallumer je crois. Ok. Par contre c'est chiant, j'ai un bug, c'est normal, mais à chaque attention. Fois je regarde un truc. Je sais pas si tu prends des dégâts ou pas. Ah, je sais pas, je sais pas, je regarde un truc qui est marqué pas de place dans l'inventaire alors que je ne clique pas pour le ramasser. Ah ouais. C'est un peu relou. Ouais. Je crois que j'ai pas ce souci moi. Ouais, bah ouais. Là, si je regarde ma ficelle, voilà, ça me fait le bruit, ça fait un bip, bip. C'est très chiant. C'est chiant. Mais c'est horrible, quand je regarde tous les coffres, du coup, ça spamme de ouf le bruit. Mmh. Trop chiant. Ok, donc là, j'ai les feuilles de palmier. Moi, je voulais crafter. Je voulais crafter déjà une gourde. Oh, artisanat level up. On est donc ça, c'est bien. Niveau. Niveau 2. Toujours empoisonné, oh, ma vie descend. Et je commence à avoir soif. Ouais, moi mais avec c'est. Avec la gourde. Comment ça marchait? Je pouvais remplir ma gourde. Attends, je sais plus. Attends, nourriture, une portion. J'ai bu quoi là? J'ai bu quoi? Comment ça marchait? Je pouvais remplir la gourde comme ça et la faire chauffer. Je sais plus. Il va pleuvoir en plus, le feu il va s'éteindre là, il pleut. Oui, je sais plus. Ah bah là c'est la mouise. Les problèmes commencent. Gourde en notre coco, qu'on faisait. Ou alors il fallait remplir directement avec un collecteur d'eau, non? Je sais pas, je m'embrouille les pinceaux avec les trucs. Ça va être de l'eau salée et tout dans le jeu, peut-être ça voudra pas passer, même en faisant chauffer. C'est pas un. C'est la cata là un peu, non? Ouais, non, dans le jeu ça passait pas, je crois ça. Donc il va falloir, je pense d'urgence, faire un collecteur d'eau. Alors. Non mais c'est bien, c'est la redécouverte, c'est cool. Oui. Distillateur d'eau, je pense que c'est ça. Je panique juste un peu parce que j'ai plus de jauge d'eau, quasi. En vrai, il faut juste une corde. En plus, toi, t'as cassé le truc de palmier. Il faut juste une corde. Est-ce que t'as une corde? Non, j'en ai pas, justement. Ah mais attends, il y a de quoi. Je suis parti chercher. Ouais, il y a de quoi. Attends, t'as dit quoi, toi? T'as plus de quoi? D'eau? Ouais, j'ai plus d'eau. Il y a plein de noix de coco partout. Donc ouais, mais j'ai peur d'avoir la... De me sentir mal, quoi. Ah oui, bah ça... bah ça, on n'y peut rien, hein. Vas-y, je fais. Pas tout avoir, j'ai envie de te dire. C'est vrai. Alors, attends. Je vais essayer de faire une autre corde, je fais vite le truc d'eau. Ouah, et je crois que j'en avais un quatrième. La corde. Alors, la corde, de toute façon, c'est les petites feuilles. Ouais. Ok. Je vais essayer d'aller en chercher. Et normalement si je suis à côté du truc de palmier ça va quand même le prendre même si je l'ai pas dans l'inventaire, ça va être bon à savoir aussi pour les crafts. Ah ouais, je savais pas ça. Ouais, si t'es proche des éléments t'as pas besoin d'avoir dans l'inventaire. Ça c'est top, ok. Ok, donc ça c'est fait mais il en faudra sûrement deux vu qu'on est deux, le temps que ça se remplisse et tout, ça va être compliqué sinon à mon avis. Pour la gourde hein. Pour le distillateur d'eau ouais. On va remettre un petit peu de bois. Il y a l'autre qui est solide, qui est pas très loin de moi. Ouais mais court pour l'instant, genre je te dis, le joue pas. Ouais, ça sert à rien. Ok, on va reprendre un petit peu d'eau avec les noix de coco.
Normalement il m'en restait encore une aussi. Je peux faire une corde. Là je peux pas en faire de plus. Moi j'ai fait une corde. Est-ce que t'as besoin d'encore d'un... Non, moi j'ai fait pour, bah, pour le dessiateur, j'en avais besoin. Oh, tellement stylé. Ouais. C'est cool. Alors là je fais quoi? Je fais la gourde ou j'en refais... Du coup j'en fais un autre. Je fais pas de gourde pour le moment. Je refais un autre distillateur. Ah je sais pas. Ouais, telle est la question. Ah, c'est une bonne question, ouais. Le distillateur... Ouais, la gourde, au pire, on peut se la faire passer pour boire au début. Oui, c'est vrai. Ouais, fais plutôt un deuxième distillateur. Ok. Ah, mais il fait une gourde obligatoirement pour le faire. Distillateur d'eau. Ah, fallait une gourde pour le faire ? Ouais, gourde en noix de coco. Ah, j'ai même pas vu que j'avais consommé une gourde pour ça. Ah mince. Bah alors, attends, je la craft, du coup. Ah ouais, bah je vais garder ça, alors. Ok, donc ça, c'est bon. Bon bah je vais chercher ce qu'il faut. Ouais, des noix de coco après il y en a. Oh, tu peux épingler tes crafts. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a un truc comme ça aussi. Ah bah moi qui ai une petite mémoire, c'est super ça. Ouais ouais, c'est pratique. Oh, trop bien. Bon bah je vais chercher ce qu'il faut. Bah t'as fait ta gourde, ça y est. Ouais. Bah ouais, je l'ai posé au sol. Je l'ai posé juste ici pour pas oublier. Il va manquer peut-être du tissu. On regarde dans les coffres s'il y en a pas. Okay. Ah non, mais il y en a là aussi. Ouais, oh bah ça va, on est bien. Là. Donc tissu c'est bon. Je vais chercher de la pierre. Je le ramène à côté de ta gourde. Ok. Hop. Je sais pas ce que c'est la feuille. Ah, c'est feuille de palmier en fait, oui. Ouais, c'est bon. Faut. Et il faut 3 pierres. Je vais chercher les 3 pierres. T'as regardé dans les coffres ? Non, c'est vrai que je regarde pas alors que pourtant. Ah, mais il y avait des cordes hein, dans les coffres en plus. Ah, oui, en plus, donc bon. Ah, mais tant mieux. Hein. Ah, je vais en prendre une, du coup, je vais faire une gourde. Ah, mais c'est chiant parce que du coup, je dois refaire 2 gourdes. Il m'en faut une pour moi. Et ensuite. Enfin, pour nous deux déjà au début. Il y a un tonneau ici, un débris flottant sur l'île. Je le prends pas, mais au cas où. Et... Ouais. Bon, je le touche pas. Si en vrai, tu peux le ramener, si je peux, tu peux le ramener. Ok. Et en vrai, le vrai problème, c'est que l'antidote, ça va me consommer aussi une gourde, en fait. C'est chiant, ça veut dire qu'il faut que je fasse 2 gourdes d'avance. Plus une gourde pour toi. Attends, c'est dangereux, là. Attends, j'ai ce qu'il faut pour faire le distillateur, ça y est. Ok. J'arrive. Oh, y'a l'autre qui est solide de dos, j'ai tellement envie de lui lancer ma lance, mais ça va pas du tout marcher. Je lâche une deuxième gourde, ce sera ta gourde perso, ça du coup. Ok. On aura besoin quand même pour voir. C'est cool. Je vais m'en refaire une encore. Et ensuite, faudra voir, parce qu'il faudra sûrement que bah, j'en consomme une du coup pour mon empoisonnement, parce que je pense pas que l'empoisonnement parte de lui-même. Hein. Ça a pas l'air. Hein. Ça a pas l'air du tout, donc faut que je passe un level, que je fasse ça. Je passe l'empoisonnement et ensuite que je me refasse encore une autre gourde. Je vais aller chercher ce qu'il faut pour voir si je peux déjà l'aurai. Ok, ça c'est bon. Il faut juste une corde du coup et je pourrais faire encore une gourde. Alors attends, comment ça marche ça ? La game des gourdes. Feuille de palmier, tas. Appuyez sur tas pour ouvrir. Ok, tu prends le tas dedans. Je sais pas trop ce que tu fais. Mais... J'avais mis une feuille de palmier hein, déjà à côté. Donc tu vas juste sur l'emplacement où t'avais tous les trucs pour faire le craft. Bah je cherchais justement la feuille, je la trouvais pas, elle était de l'autre côté. Donc c'est pour ça que j'avais... Non, je l'avais mis... Aïe, oh. Au secours, ça je va? Me suis arraché par le sanglier. Non. Je sais pas, je vois pas ma vie. Cours. Oh là là. Ouais, mais il avait les fibres là-bas. J'ai besoin de fibres. Quel enfer. On manque deux. Ah, ça va être ah bah moi je peux plus faire de cordes... Dans l'eau, tu peux marcher sur des trucs aussi qui t'empoisonnent. Ça c'est horrible. Non, mais je te disais, je t'avais mis la feuille normalement de palmier avec, avec les autres éléments, avec la gourde, avec le truc, t'avais tout l'un sur l'autre. Regarde, c'est juste à côté du. Regarde juste ici, t'as tout. Là, tu te mets là-dessus et tu, ouais. tu craftes d'ici, tu vois, t'as tout ce qu'il faut. Là, tu te mets vraiment dessus quand tu veux crafter, tu te mets sur les éléments. Tu marches dessus en fait. Ok. Bon. Ouais, mais par contre, j'ai pas. J'ai mal joué mon coup là, j'ai pas de feuille. De corde, je vais la faire vite fait. Ah oui, tu. Ouais, normalement, si tu l'avais, tu m'avais dit, je crois. Ouais, non, mais c'est moi qui. Alors attends. Il manque juste une feuille. Je cours. Fais attention, il y a des serpents par là où tu vas. J'en ai entendu un tout à l'heure. Non, mais en plus, il n'y a pas que des serpents, genre, il y a. Ouais, non. Il y a des trucs plus solides, hein. Il y a tout, c'était censé être une île idyllique. Ouais, par contre, idyllique. Dans la description. Par contre, elle est stylée l'île. Mais... Artisanat niveau supérieur. Ah, débris flottant, c'est ça. Ah, mon perso il est en mode je dois trouver de l'eau. Non, mais t'es niveau 3 en artisanat. Attends, je te dis ça tout de suite. Je crois que c'est 2.
Attends. Comment je sais mon niveau? En fait, ça marque plus le. C'est le Non, je dernier suis niveau truc 2. tout en bas. Celui tout en bas normalement. Attends, ça là-bas, c'était pas genre trop bien. Ok. Arbre yucca. Attends, mais est-ce que c'était des fibres ça? Quoi? On est riche! C'est vrai? T'as un arbre yucca qui. En fait, ça te file plein de fibres, tu sais, au lieu de prendre un à un. Ce sont des petits arbustes. Ah, en fait, mais tu oui, vas ça voir. j'en ai trouvé un tout à l'heure et je l'ai tapé, il y Ok. avait plein de. Ah voilà, bah ça, oui, c'est bah, c'est trop bien. Ça aide de ouf. Ça aide de ouf pour se mettre bien, quoi. Vas-y, bah, je vais revenir avec ça du coup, comme ça, moi je vais pouvoir faire. Ça me fait des crafts en même temps, ça me fait faire des gourdes. Consommables. Consommable gourde, donc là normalement moi j'ai deux gourdes sur moi, ce qui fait que je pourrais en utiliser une pour contrer le poison. Donc tout ce qui me ça c'est manque, bien. tout ce qui manque là, je commence à avoir chaud, faire attention à ça. Tout ce qui manque, Oula. c'est passer mon level pour l'anti-poison.